Bana mboka ba Congolais, mbote na bino. Bonsoir, parce que je vous parle na mtango oyo, il est 20h40 quelques minutes, na mboka oyo sikanga na zali. Na makanisi elinga na motu, na mayele alo na lingi, au moins na loba. Ça peut plaire à certains, comme ça ne peut pas plaire à d'autres gens. Bon, mais écoutez, naturellement, Limbisangai, si je peux parler. Mais quand il s'agit d'un biloko amboka, il n'y a pas à Limbisangai. Monsieur Perro Luara, pensons à toi, Perro Luara. Aujourd'hui, je pense que ma deuxième fois ou ma troisième fois de m'adresser à toi, comme je l'avais fait dans le passé, je me suis adressé à la plupart des Congolais qui s'appellent des journalistes, ceux-là qui ont leur propre station de télévision chez eux, comme moi je le fais devant mon ordinateur portatif ici, mon laptop. Chaque fois quand on peut s'adresser aux gens devant son ordinateur, on dit qu'on a une station de télévision. Luara, ce matin, par la grâce de la magie technologique, j'ai pu visionner une de tes interventions vibrantes, comme d'habitude, que tu dois avoir enregistré le jeudi ou le vendredi de la semaine passée. Aujourd'hui, nous sommes le 26 juin. Ndekonangai. Matondo mingi, te remercie yo. Naba actualité mingi. Naba dénonciation mingi. Naba révélation mingi. Osalaka, quand tu te tapes la poitrine en disant que tu as des caméras partout, eh ben, tu es comme une mouche qui est collée sur un mur, là où les gens causent un secret, un aparté. Et tu enregistres tout ce qui se passe. Et pour venir nous donner des révélations, ben c'est pour ça qu'on les appelle des révélations. Ce sont des histoires que nous ne connaissons pas. Lelo na tongo na monio, on révèle l'oko ya monene, comment Félix Tshisekedi alingi asala coup contre Hippolyte Kajambere Kanambe na batu mingi ya PPRD. Bon, c'est bien comme tu nous as révélé que Asombi Baminduki na Afrique du Sud, Mbonge Utaki na Monaco, etc. Osali malamu nengo yebisi biso. Mais mon frère Perro Luara. Bon, je ne suis pas un fanatique de Félix Tshilombo. Politiquement, je ne l'aime pas. Il en est de même avec le reste des politiciens congolais. Tu t'es attaqué à Félix
Chilombo, comme d'habitude, c'est ta bête noire. Fingie, Nenge, Azalakamoyibi, tout cela, nous savons. Mais comme la scène à Mingi, ce que tu fais là, ce n'est pas du journalisme, hein? Un journaliste doit être impartial. Bon, chez vous et chez nous au Congo, vous avez trouvé un terme, vous êtes l'église au milieu du village. L'expression est votre, vous les journalistes congolais, mais à l'époque, en Afrique, il n'y avait pas des églises dans des villages. Bon, mais l'expression est votre. Je disais donc, dans l'éthique journalistique, Bolobakarol Nabino Zali ko informer, ko former et éduquer. Et ça, les trois verbes, on peut ajouter encore quelque chose. C'est ça les trois verbes. Et il fallait éduquer, il fallait dire que Rol Nabino, il faut être neutre, la neutralité. Mais Perron Louara, tu n'es pas neutre. Comme la plupart de vous qui vous appelez des journalistes pour me répéter. Et en disant ça, je ne défends pas Félix. Je ne peux jamais le défendre. Sauf ce qui a sali volte-face. Yakubuma, Hippolyte Kadjambere Kanambe, Yako déclaré Bitumba que to bunda na bato ba envahir biso que soki akangi ba frontière mpe soki atiki koyiba ye na club na ye là na ko supporter ye. Parce que c'est un être humain, il n'est pas une pierre. Tout être humain est dynamique. Il n'y a que des sots et des imbéciles qui ne veulent pas changer, comme on le dit. Mais lelo obimisi biso secret ku oyo alingi asala akende kwatake Kanambe na Kinga Kati et tu t'es acharné sur lui. Mais dans te dire olobi kosakana te et kozala neti eloko ezalaka entre Pascal Lissouba na Sassou Nguesso. Kosakana te po moto ya manefu wana Kabila. Il ne va pas se laisser faire. Bokumona ce qui va arriver d'ici, ndenge bana bakei congé, 10 novembre, décembre, Bokumona ce qui va arriver. Donc pour toi, tu es content que l'entre guillemets Joseph Kabila Hippolyte Kadjambere Kanambe a zonga na pouvoir et tu es content pour ça. Donc Kabila ne va pas se laisser faire à cause de la neti, Sassou Nguesso, il ne va pas se laisser faire. Et puis, Mokomona, le perdant sera Félix Tshisekedi. Je te le répète comme je le répète à tous nos compatriotes. Je ne peux pas supporter Félix jusqu'à ce qu'il a accompli le qu'on a le biwana. Fermeture des frontières. Déclarer la guerre contre les envahisseurs, tous. Atika Kouyiba, Yena Batunaye, etc. Mais toi, tu t'acharnes sur lui, et dans ton langage, ce qui ressort, c'est que tu soutiens Hippolyte Kadjambere Kanambe. Mon frère Louara, tu ne t'adresses pas aux enfants, tu t'adresses à la nation congolaise quand tu parles et au monde entier. Quand tu parles, ça prouve que tu es un corrompu. Tu es un flatteur. Dans le vrai sens du poil, comme on le dit. Et il n'y a pas que toi. Mais comme je m'adresse à toi. Donc, toi, tu penses que le retour de Hippolyte Kajambéré, Kanambe au pouvoir, ça t'avantage, toi, et
Il faut aller en pouvoir parce que Félix Alenguy a bombardé. Mais laisse-moi te dire, le souhait de nous tous les Congolais, à part toi, le flatteur et le pauvre et le mendiant que tu es, notre souhait, c'est qu'on arrête Hipporite Kajambele Kanambe, Nabatunaï, bah, allaiter Hipolyte Kagame, bah, Boumaye. Malgré le mal, oh yo, tu sais que dans ça là, parce que tous en armée, y a Kokangaye, nous n'avons pas une justice, y a Kokangaye. Si Félix est capable de faire ce coup-là, l'arrêter et le tuer, moi je te dis que nous allons l'applaudir. Si cela ne te plaît pas, eh bien, tu peux boire la ciguë et tu peux mourir comme Socrate. À l'époque, il y a aussi le Makamboya Kabila. Kabila, quand tu m'as dit, il ne va pas se laisser faire. Toi, tu oublies que ton Kabila est parmi les architectes. Il y a malheur à Bakongolais. Congolais. Tous ces Congolais qu'il a tués, ça ne te dit rien, toi? Ça ne te dit rien? Et tu souhaites son retour à la politique parce qu'il sponsorise ta soi-disant station de télévision et toi-même parce que tu es pauvre, tu n'as rien. Tu n'as que le français, n'a qu'au sein de la publicité à Pam Pamba. C'est tout ce que tu n'as rien. Mais qu'en est-il de toutes ces morts qu'il a orchestrées chez nous? Le Bundu du Congo, le Tchembeya et son collègue Bazana. Que dire de Laurent Désiré Kabila? Que dire des fosses communes à Maluku et partout? Que dire des Rwandais Hutus que lui et les autres Tutsis ont exterminés à l'est du Congo? Que dire de la paupérisation du peuple congolais? Que dire de détournement de Mbongo à Congo. Toi, tu ne vois que le détournement de Mbongo par Félix. Tu sais qu'elle dit? Oh, il y a Ayibi, il y a Hippolyte Kajambele Kanambe, il y a Moïse Katumbi et le reste des gens du PPRD. Tu ne vois pas ça? Ce que tu vois seulement, c'est ce que Félix a volé. Je te dis, je ne soutiens pas Félix. Je ne soutiens pas les vols. Mais toi qui te dis journaliste, écoutez, tu dois agir avec et par la neutralité. Chaque fois quand tu ouvres la bouche, ta bouche pue la corruption. La sponsorisation, la mendicité, mais surtout la sponsorisation par le bourreau du peuple congolais et du Congo. Donc, tu ne fais pas preuve d'un journalisme professionnel, mon frère. Ma flatta kabatuna Olobiboy. Tu critiques Félix. En même temps, tu défends la femme d'Hippolyte Kagame Kanambe. Tu défends Hippolyte Kagame Kanambe. Tu défends Moïse Katumbi. Tu penses que tu t'adresses aux enfants? Honte à toi. Ce n'est pas ça le journalisme. Tu es un mendiant, comme la plupart des soi-disant journalistes congolais, musiciens congolais, passeurs congolais. Qui passent à tout moment leur temps, Bazoko cité Bakumbo ya Batu. Au lieu de livrer, de délivrer l'actualité, comme il se faut, ils passent leur temps à citer le nom des gens. Tel na Calgary, tel na Canada, tel na Finlande, tel na Japon. Mais Boutala nano, ba station, il y a télévision, il y a Moussousou, il y a blogueur Moussousou. Mais ne vous parle pas comme ça.
où ils viennent avec toute une liste de gens. Ah, tel, moi si Kitoko, moi si à Pembe, Azana Mino Kalisa Diama, Diama Yamiba, tel, Azali, chef-d'œuvre de la beauté. Mais c'est quoi ces histoires-là? C'est quel journalisme ça? Dites-nous, c'est quel journalisme? Donc, dans la boutique, il y a Beto Kosa, moi aussi, Kitoko, ceci et cela. Mais moi, je te dis que toute femme, Azara Kitoko, toute femme, Azara Kitoko, Kitoko et Beto Konawana, Azara Kayanini. Toi, tu l'as déjà couché? Même à toi, couché, qui a besoin de la coucher? Si ma femme est courte, elle est laide, que je te le dise, le vagin n'a pas de visage. Ça te fait mal, n'est-ce pas? Le vagin n'a pas de visage. C'est le même vagin. Tu viens, qui toque, béton, tout ça. C'est quel journalisme, ça? Même à toi, il y a une mutation qui sponsorise. Mais tu dois livrer l'information comme elle se doit. Pas passer le temps à raconter des histoires où tu viens avec tout un chapelet de noms de gens. Afin d'être aux États-Unis, afin d'être à telle place, afin. Mais c'est quoi? C'est pas du journalisme, ça. Nous tous, nous suivons les blogueurs et les journalistes au monde. Ça ne se passe pas comme ça, mon frère. Terondoua, ne pense pas que tu vas renflouer ton compte bancaire en citant le nom de. Il n'y a pas que toi. Il n'y a pas que toi. C'est vous tous, les Congolais, qui êtes des blogueurs, qui faites des choses comme ça. Quand nous sommes devant l'écran, nous sommes curieux et attentifs de suivre l'information que vous voulez au Père Sabine Bissot. Mais nous nous butons à une bêtise. Tout un chapelet de noms de gens. Koukoumi Sabatou. Ça n'a rien à voir avec l'information. Na sommaire au Kupesa Bissau. Ça n'a rien à voir. Donc c'est la même chose avec les musiciens. Leurs chansons, les musiciens congolais, sont vides de sens. Ils parlent de la beauté. Des gens, il parle, il y a Mongo, il y a Batou. Bozokoumi Sabato, c'est quelle musique ça? C'est de la mendicité. Vous faites la honte. Et on se moque de nous partout à cause des gens comme toi. Tu viens, tu parles de ta formation journalistique, tu as fait la licence, tu as fait. Ça n'a rien à voir avec l'information. Nous suivons BBC, nous suivons CNN, nous suivons. TV5, nous suivons France 24 et beaucoup, beaucoup d'autres stations du monde. On ne voit pas des gens qui viennent parler de leurs études, des gens qui viennent citer les noms des gens vivants ou morts. Et toi, Perron, voilà, je te demande d'aller à l'hôpital pour guérir ta grippe, parce que chaque fois quand tu viens devant l'écran, à tout moment. C'est quoi ça où tu amènes des histoires comme ça? Hein? Mais tu dois te faire soigner que venir à tout moment, tu sautes, tu tousses devant les gens. Miyoyozana, quand tu as bongo, mais tu dois être propre. En tout ça, à tout moment comme ça, c'est pour que tu es sale. Mais regardez les autres écrans. Comment d'autres gens présentent leurs émissions? Mais vous devez venir nous présenter les véritables émissions. Soyez professionnels. Vous vous dites que beaucoup de temps n'a pas école à journalisme. Mais soyez propre quand vous venez. Mais soyez limité. Soyez dans la thématique de ce que vous voulez présenter aux gens. Pas venir nous présenter de la bouillabaisse. Où vous parlez de vos amis, vous êtes allé à un bar quelque part. C'est quoi ça? C'est quel journalisme ça? Et ici, je voudrais citer, en parlant encore
à mon jeune frère Jospin Loanga. Ce matin encore, j'ai suivi ton interview et une autre interview que tu as accordée, toujours dans le journaliste Soki. On t'a posé trois, quatre questions ou cinq. Je relève trois questions. Poser aux questions. Jospin Loanga. To sala nini nengo lingi to zonge la bokoko na biso na bato oyo bazo ko souffrir na sucre na diabète ceci et cela. Revois l'émission. Jospin Loanga, toi qui es docteur en anthropologie, en architecture et tout ceci, tu n'as pas répondu à cette question. Poser yo ba question à propos yo Yakimbango. À cause d'un cas, ceci et cela. Tu te lances, en fait, toutes tes réponses, tu te lances dans des envolées. Oh, j'ai été à l'université le 8 juillet ou le 6 juillet, à l'université de Harvard. Ce n'est pas ça. On te pose la question. Réponds à la question. Pourquoi tu ne réponds pas aux questions qu'on te pose? Et tu te lances dans des envolées pour raconter des mensonges. Ngai nakotika binote. Je ne dis pas que je connais plus que vous. Mais je voudrais que vous ayez ma méthode Yakoloba na écran. Vous ne venez pas là-bas pour vous rendre bisous fou. Qu'on passe le temps à vous suivre. Et à la fin de l'émission, nous ne retenons rien de vos propos, à part Komikoumissa. On te pose la question. Nakoulumbembe, revois l'émission. Tu n'as rien dit. Tu n'as rien dit? Jospin. Pourquoi Batunao Bazoke Nakoulumbembe? La Kisabiso na nanina. La image Koulou Mbembe, dans la chambre de Koulou Mbembe, il y a A, B, C, D. Nous espérons ceci et cela. Et il n'y a pas que toi. Je le répète. Je suis beaucoup d'histoires, il y a Bino Bakongolais. Ma télévision, il y a Bakongolais, c'est une association de distracteurs, pas différent des musiciens. Pas différent des pasteurs. Et vous, le soi-disant journaliste, c'est la même chose. Vous êtes là pour distraire les Congolais. Nous ne voulons pas la distraction. Si vous voulez livrer une information, ne venez pas mentir aux gens. Kimbangu Azali Nzambe. Bon, Azali Nzambe. Et après, si il est Nzambe, il attend quoi pour imposer son autorité et venir nous parler qu'il est Nzambe? Comme je faisais de la fois passée, nous tous, nous avons un concept qu'on nous a inculqué en aliénant nos têtes, que Dieu est omniscient, omnipotent et tout ce que vous racontez là, tous les adjectifs qu'on lui donne. Si Kimbangu Azali Nzambe, mais aïe, pour résoudre le problème Nabissou, nous l'attendons impatiemment. C'est à ce moment que nous avons besoin de lui et nous tous nous deviendrons des croyants. Pourquoi vous voulez dire, vous dites toujours que non? Il faut pas dimailler, il faut pas reconnaître, on doit le reconnaître comment et pourquoi. Il a fait quoi? Ah, c'est le miracle, quel miracle? Oh, tiens, il y a un tonneau. Vous appelez ça un miracle? Oh, il y a salle. Et puis, c'est quoi? Oh, il y a Koufa. La prison, il y a un boulot. Oh, puis je m'en. Et après? Vous savez, l'être humain a besoin du bonheur matériel, d'abord. Ne venez pas nous parler de la spiritualité, c'est pas comme ça. Nous avons besoin du bonheur matériel. Souffrir Ming. Nous voulons que Kimbango Aluba
na lingine construit autoroute eute na Kinshasa ti na Lubumbashi, na lingine construit autoroute eute na Kinshasa ti Bukavu ti Kisangani, na a partir de Lubanga en tant que Nzambe, pouf, autoroute et tongami, pouf, wapo et tongami. Mais c'est ça le miracle. Na lingine tonga ba université telle place, pouf, au moins immeuble et tongami. Kimbangu amona na partout à travers l'Afrique. Donc il voyageait na esprit na kata ba avion. A pongela biso ba avion. Na liloba na ye. C'est ça le miracle. Pas venir nous parler. Oh, ba mindela ba boka ki na mai. Oh, abimisa ki ba bisimi ba soldat ya mikuse. Ba soldat ya mikuse ba bane kwa ta yangona etine ki ba mindele ba kim. Pourquoi babisimi bazo ko bimate baki ne ko attaquer Rwanda, Burundi na Uganda na bazo bazo ko attaquer. Il attend quoi de faire sortir les bisimi là? Votre Kimbangu. Mais vous venez à la télévision, il y a des émissions Kimbangu qui partout. Oh, Papa Nkusu, ceci cela. Vous venez raconter de bobards, de mensonges. Nous avons besoin de Kimbangu. Les miracles doivent être matériels, c'est ce que nous voulons. Kimbangu alobi, batozo kufana nzala, directement asali fermo bimba, bilanga, esika masango ezoko bima. Ndenga toyoka ke yezo ale isaka batozo ki 5000 personnes na mbisi, na mapa. Mais c'est ça le véritable miracle, bien que ce soit de la fiction, c'est que on raconte dans la Bible. Pourquoi ça doit être conditionnel? Que bato, il faut mandi melaye. Oh, biso to sala erre, ba enceinte na biso ba sala biloko ya mabe ya eloko nini ba enceinte na biso ba salaka, dites nous péché nini ba enceinte na biso ba salaka. Mais tout ce que vous dites là c'est de la calomnie. Oh, ba enceinte ba salaka ba ndimila kayete yangona bokozi na biso ba mindila ba zoka yango. Mais écoutez, même cesse de mentir, faites cesse de faire endormir les gens. Tout le monde pense à ça. On a Kulumbembe. Eh, Kimbangu, batongola kiti quelque part à Koya Kukita. Mais écoutez, on voit d'autres gens qui viennent, non? Kimbangu abimisa mai. Azo keneye na ba soldats, ba policiers quelque part, dans une forêt quelque part, abimisa mai na mabele. Est-ce que mai zala kite ba tuba zaki na mabele? Na maïté. Ce n'est pas au Congo où vous allez dire que Batoki soit maïté. Mais nous ne sommes pas au désert du Sahara, au Congo. Où est-ce qu'on peut aller au Congo après 3 km, 1 km, sans trouver un ruisseau? Où? Dites-nous. Où il n'y a pas de ruisseau, d'où il n'y a pas de rivière au Congo. Pour dire non, Kimbangu a mis sa kamaï na mabele. Vous allez quelque part, vous nous montrez un arbre quelque part. Oh, Kimbangu, ayaka na basoda, afandi awa, ndenge atelemaka awa, image na ye etikali na ekorse ya nzete. Mais ça, ce sont des mensonges, nous avons vu tout ça. Vous appelez ça miracle? Qu'est-ce que vous appelez miracle, vous? Qu'est-ce que vous appelez miracle? Nous avons besoin de Kimbangu mena, soki azali Nzambe. Bon, nzoto na ye ezaka na nkamba e polakate. Bon, soki nzoto na ye ezoko polate, c'est un miracle. Mais il y a des nzoto de pharaons, des africains en Égypte, ba momie ezali kuna, c'est un miracle. Ça faisait partie de la science. Mais votre Kimbangu, vous voulez nous déranger? Non, il faut ba autorité en mboka. Le 6 avril, mon ami, est comme si c'était officiel, mais ce n'est pas ça. Cessez de dévier les gens. Les gens ont besoin de biens matériels. Batobana a besoin de colia, de comela, de colata, de cosanabana, de bien. Quand on a circulé partout, et ben cela est zala. Que toi tu n'es pas en école, que. Bana nyoso, pas à la basse avant, pas tout ce que vous racontez là-bas.
cessé de vivre dans un progrès passéiste, mais cessé de mentir aux gens. Mais vous mentez? Tout le monde vient se présenter. Ngara zaka na Kimbangu, ngara zaka mazishia Mobutu, ngara. Mais c'est quoi finalement? Mais jusqu'où avec le mensonge? Jusqu'où? Mvulu aussi. On nous présente trois fils de Kimbangu. Le Père Dieu, Saint-Esprit, Dieu le Père. C'est quoi cette histoire? L'idolâtrie, c'est ça? Les Congolais n'ont pas besoin la biloko pamba, pamba wana. Faux journalisme, fausse musique, fausse religion. On n'a pas besoin de ça. Kimbangu Abima. Nous avons besoin de Kimbangu Awa Abima. Pas aller nous dire que tout reconnaître. Vous voulez qu'on donne un brevet de reconnaissance, un diplôme d'état de reconnaissance, un doctorat de reconnaissance pour Kimbangu Abima. Il attend quoi? Il se cache pourquoi? Mais c'est ça de mentir. Kimbangu, si tu existes là où tu es, Bimé Langaï. Bimé, je voudrais te voir, toi et tes trois enfants, ou je ne sais pas combien d'enfants que tu as. Tantôt on dit Abota, oh Abota te, oh ceci et cela. C'est quoi finalement? Cessez de distraire les gens. Les Congolais en ont marre de la fausse musique, du faux journalisme, fausse religion, naf spiritualité à l'Okuta, où les gens se font passer pour des experts. Ceci, demandez-moi, Vib, Djamadar et Vibikil Kilele, pour le Congo de Lumumba, de Kasavubu, du compatriote Kimbangu, de la compatriote Kimpavita, de tous les martyrs congolais et de tous les Congolais qui se battent pour la nation congolaise ce soir. Abonnez-vous gratuitement sur votre chaîne YouTube congodialogue.com. Abonnez-vous gratuitement sur votre chaîne YouTube congodialogue.com. www.congomasolo congorosolola.com avec Congo Dialogue congorosolola makam wa danger di kitoko Congo Dialogue.